Je me souviens des heures d'entraînement avec mon père, après la fin de la peste. Il disait qu'un jour, nos ennemis allaient essayer de s'en prendre à moi. Les sons et les odeurs ne changent pas beaucoup à Dunwall. C'est ma ville. Je me demande ce que Père m'a préparé pour l'entraînement aujourd'hui. Allez-y, Votre Majesté, montrez-moi ce que vous savez faire. On va devoir sprinter, franchir l'obstacle et enfin glisser. C'est du gâteau. C'est quoi la suite ? Je pourrais passer toutes mes journées à courir et à sauter. Testons mon agilité. Approche. Tu as bien retenu la leçon. Voyons si tu sais te faire discrète, jeune fille. Père n'arrête pas de parler de discrétion et d'approche furtive. Oups, je me suis fait repérer. Si tu maîtrises pas... La fille de son père. Voyons si tu sais te faire discrète, jeune fille. Ne fais pas un bruit. Il n'a rien vu du tout. Accroupis-toi et approche par derrière. Comme un lynx qui chasse une gazelle. Là, ton pistolet va réveiller tout le monde. Ton arbalète, elle, ne fait aucun bruit.
passer au combat et au maniement des armes. Prête à échanger quelques coups avec ton père ? Ouais. C'est bien. C'est bien, ma fille. Quand quelqu'un te lance un coup d'épée, bloque-le. Bien. Beau travail. Bloque avec ta lame. Allez. Très bien. Tu as un instinct naturel pour le combat. Si tu bloques au bon moment, tu peux déséquilibrer l'adversaire. Tu es rapide. Bien joué. Allez. Tu peux étrangler un ennemi et le neutraliser, même en plein combat. Son déséquilibre pour lui porter le coup fatal. Je suis rassuré de voir que tu sais te défendre. Quand l'affrontement devient inévitable, pas le choix, il faut se battre. Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gages s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière, là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluez tous Sa Majesté impériale, Émilie Caldwin. Loyaux sujets. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère, Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Émilie. Tu as l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais, parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps.
Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu, le duc de Cerconos. Ramsay dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tiens, intéressant. Monseigneur Lucas Abel, duc de Cerconos. Des soldats mécaniques ? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramsay ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre Majesté impériale et protecteur royal Corvo Atano, mon cher compatriote, Cerconos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation, l'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Caldwin, votre impératrice légitime, Delilah Caldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur ? Ma très chère nièce, bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur Yuorn Jacob Caldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret. Il y a si longtemps. Attention à ce que vous dites. Emily Caldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Caldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice Delilah, première du nom. Arrêtez Emily Caldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Tu finiras par m'aimer. Et même par voir en moi cette mère que tu as perdue. Mais en attendant, je vais te protéger de toi-même. Je vais enfermer Dame Emily dans ses appartements. Elle ira au bagne de Colby où elle prendra son procès. Mon père a tout perdu quand j'étais gamin. C'est pour ça que je porte cet uniforme et que j'envoie des petits jeunes patrouiller dans la roseraie au lieu de picoler avec les membres du club de tir. Captain Ramsay, j'ai entendu des cris. Impératrice Emily, que se passe-t-il ? Ce sera tout, Capitaine Mayhew. Non ! La fameuse épée du protecteur royal, hein ? Et qui se plie aussi facilement. Raconte au sein de la garde qu'en cas d'urgence, il y aurait dans vos appartements une chambre forte contenant assez d'or pour acheter une île de belle taille. Et on dit que cet anneau est l'une des deux seules clés qui existent. Du trône. Père ! Je ne peux rien faire. Je dois sortir d'ici.
J'ai caché des grenouilles dans cette vieille pendule autrefois, pour faire tourner les serviteurs en bourrique. Dire que je trouvais ma vie compliquée à cette époque. Devrais-je le faire tourner et choisir un endroit où me cacher? Je dois réfléchir. Combien de fois ai-je contemplé cette vue? C'est comme si tout avait changé soudainement. Le Hound Pits. C'est dur à croire, mais parfois cette époque me manque. Ces salopards travaillent pour Ramsay et le duc de Cerkonos. Lila est une espèce de sorcière. Comment est-ce possible? Dame Emily, vous allez bien? Je m'inquiétais. Où est le protecteur royal? Il y a eu un coup d'état. Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour, par la salle sécurisée. Tout à l'heure, il y avait un capitaine sur les quais qui cherchait le protecteur royal. Trouvez-la, et quittez Dunwall. Alexis, je suis désolée. Adieu. Il me faut ma chevalière.
Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux, si tant est que je ne reste pas coincé dans cette saloperie de salle sécurisée. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. C'est excitant. Tout change. Oui, l'ordre naturel des choses reprend ses droits. Vous saviez que les Ramsay ont un jour reçu le roi et la reine de Morlaix chez eux ? Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle. La crème de la haute société. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. La famille de Ramsay est tombée en disgrâce, ce qu'il n'a jamais digéré. En revanche, je ne vois pas en quoi c'est de ma faute. Quoi qu'il en soit, Ramsay est bien trop dangereux pour qu'on le laisse agir à sa guise. Cette laine, ça gratte comme pas possible. Pourquoi je peux pas porter mes vêtements normaux ? Si j'en ai deux et que je lui en donne un, il me reste un. Ben, si je le mange. Non, si. On va chercher ensemble. Je ne m'en sépare plus maintenant. Merde ! Je me demande à quoi j'ai affaire. Quoi ? Alors ça ! J'ignore comment, mais je rétablirai la paix. Je t'en fais la promesse. Ça, c'était pour mon père, sale traître. Sokolov a conçu cette serrure. J'ai passé tant de nuits ici après la peste. Je ferais bien de prendre ça. Le tueur de la couronne est forcément lié à tout ça, avec le duc et Delilah. J'aurais bien besoin de ces armes. Cet or ne me sera d'aucune aide contre Delilah. Et d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de le transporter ailleurs. Ça pourrait m'être utile. Temps d'y voir plus clair, il faut que je fasse profil bas. Il faut que j'arrive au quai. Que dirait ma vieille gouvernante ? Callista me dirait sûrement de me tenir droite et d'épouser Wiman.
Elle me demandera à quelle date la guerre des quatre couronnes s'est terminée. 1625. Il faut que je quitte Dunwall. Que dois-je faire pour aider mon père? Qui devrais-je devenir? Il faut que je trouve un navire. Cette ville grouille d'hommes du duc. Écoutez tous, j'ai de mauvaises nouvelles. Ramsay est mort. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Emily Caldwin s'est enfuie. Il faut la retrouver. C'est tout, vous avez vos ordres. Dispersez-vous, retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Cerconos pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. Caldwin, l'ancienne impératrice, est accusée de crime contre l'État. Quiconque lui offre asile sera également reconnu coupable de trahison. Je vais regarder par ici. Respirez ici. Je vous trouverai, je le jure. Hein ? Chose qui pue par ici. C'est pas moi qui vais nettoyer. Ah. Non ! Sale petite merde !
citoyen de Dunwall. Votre attention, citoyen de Dunwall. À partir d'aujourd'hui, Delilah Caldwin est notre nouvelle impératrice. Gloire à Delilah, première du nom. D'autre part, l'ancienne impératrice Emily Caldwin est désormais recherchée pour trahison. Quiconque donnera asile à Emily Caldwin sera condamné à une amende et arrêté. Peuple de Dunwall, ne sortez pas de chez vous. Un couvre-feu est en vigueur en cette période de trouble. Je lui ai dit je ne sais combien de fois que c'est pas à moi d'inspecter les broyeurs. Je me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? C'est donc bien un coup d'État. Les Caldwin ont enfin été détrônés. J'y croyais plus. On dirait, oui. Même le légendaire Corvo Atano n'a rien pu faire. Chut ! Faudrait pas qu'on nous entende. À plus tard, alors. Je me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans cette... Attention ! Il faut que je prenne le large. Je devrais parler au capitaine de ce navire. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ce n'est pas mon problème, citoyenne. Un conseil, rentrez chez vous. Si je ne peux pas rejoindre mon magasin, je suis ruinée. Je perds un mois entier. Écoutez-moi bien. Je vous déconseille de traîner dans les rues. Dégagez. Peuple de Dunwall. Porter assistance à un fugitif est un crime passible de mort. Aidez la garde urbaine en cette période transitoire. Thank you.
Si j'ai bien compris, la situation est complètement merdique à Denwood. Impératrice, tout le monde va vous reconnaître. Vous êtes sur toutes les pièces de monnaie de la ville. Je suis victime d'un coup d'État et on m'accuse des meurtres du tueur de la couronne. Je me moque qu'on me reconnaisse. Je m'appelle Megan Foster. Je travaille pour l'un de vos anciens alliés, Anton Sokolov. Nous avons fait une découverte terrible au sud. Je suis venue vous prévenir. Je connais Anton, mais Corvo est parti. Le duc de Cerkonos est ici avec une certaine Delilah. Ils ont massacré tout le monde dans la salle du trône, puis elle a fait quelque chose d'incompréhensible. La fuite était ma seule option. Parfois, c'est la seule chose à faire. Voici mon navire, le Dreadful Whale. On peut prendre le large quand vous voulez. Les meurtres du tueur de la couronne ont commencé à Karnaca. Je dois y aller. Delilah a dû vivre là-bas et il faut que je comprenne ce qui se passe. Vous êtes la fille de Corvo, sans aucun doute. On y va ? Oui, je suis prête. Suis-je toujours sur le navire de Megan ? Drôle de sensation. Quel est cet endroit ? Où suis-je ? Je sens une présence qui se rapproche, qui m'observe. Impératrice Emily Caldwin, je suis un ami de ton père depuis bien longtemps. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. J'ai vu ta mère assassinée par des intrigants avides de ton petit empire. Toi qui fus sauvé par un homme au masque étrange. Je pensais cette histoire arriver à son terme. Mais Delilah et le duc sont venus obscurcir le tableau. Combien de tes sujets accepterais-tu de massacrer ? Et jusqu'où es-tu prête à aller ? Il y a 15 ans, j'ai posé la même question à Corvo. C'est cette décision qui l'a transformé. Et c'est ton tour, Emily. Ça brûle. De l'intérieur. Je me sens comme à la lisière d'un monde étrange. Tout ce qu'on raconte, c'est donc vrai. Incroyable. Voilà comment je vais sauver mon père et reconquérir mon trône. Corvo m'a dit qu'il était venu ici une fois. Je te connais. Tu te souviens ? Cela fait si longtemps. Et tu as tant souffert. Même en étant l'ombre d'une ombre, je suis heureuse que tu sois là. Mère ? Tu es là, mais pas tout à fait. Dans ma main, mais aussi ailleurs. Ce sont les derniers lambeaux de mon être qui t'accompagnent encore. J'aimerais tant franchir l'abîme qui nous sépare et te serrer dans mes bras. Mais ce que je peux t'offrir, c'est mon don et ma malédiction.
Invoque-moi dans ta main. Et je te guiderai si je puis. Vraiment, Delia. Comment a-t-elle pu ? Je ne comprends pas. Delia a tranché la gorge d'un homme pour une paire de chaussures et peint certains des plus beaux portraits de l'époque. La même année. Adepte de la survie, de l'art et de la magie, son intelligence lui permet de manipuler son entourage. Ce qui a conduit aux événements de Dunwall Tower. Delia calcule tout à long terme et la voilà impératrice. Mais je vais te révéler un secret. Elle convoite quelque chose de plus grandiose. Quand j'avais 10 ans, lassée par mes leçons, je rêvais de grandes traversées sur l'océan et de combats à l'épée. Je me suis vite rendu compte que le monde ne tournait pas aussi rond que je ne le croyais. Le chaos règne désormais. Mais je n'aurai de cesse de me battre jusqu'à ce que l'ordre soit de nouveau rétabli. Le port de Karnaca, à la pointe sud de l'Empire, a perdu de sa superbe. Sous l'égide du nouveau duc, la grande garde cerconienne s'est muée en milice, faisant régner la terreur. Entre passage à tabac et peloton d'exécution. Les mouches de sang sont plus agressives que jamais. C'est la ville natale de mon père. Megan Foster ne parle pas beaucoup. Comme si elle cachait quelque chose. Mais elle m'a aidé à fuir Dunwall et pour le moment, il faut que je fasse profil bas. Delia et le duc m'ont fait passer pour une meurtrière, en envoyant le tueur de la couronne massacrer mes opposants politiques. Ils m'ont tout pris. Mais je remonterai sur le trône quoi qu'il en coûte, quitte à réduire la ville en cendres.
suis maudite, vieux cinglé, à cause de toi. Je suis de retour. Qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque ? L'acier et l'ombre, c'était notre devise. Très bien, mais vous ne m'avez pas encore tout dit. Que faisiez-vous là-bas avec Sokolov ? Il se plaisait à Karnaca, mais il avait eu vent d'une conspiration liée au tueur de la couronne. Il voulait prévenir Corvo. J'entendais parler de certaines tensions. Corruption, violence urbaine. Je n'y ai pas fait attention. En général, les autorités savent gérer ce genre de choses. Le nouveau duc a laissé la situation empirer. Sokolov a compris qu'il était à la tête de la conspiration. Il était en état de choc, et pourtant ce n'est pas le genre d'homme à se laisser impressionner. On allait donc partir pour Dunwall, mais on a été attaqué. Le tueur de la couronne. Oui, l'écoutille a volé en éclats et Sokolov a hurlé. J'ai juste eu le temps d'apercevoir quelqu'un qui le traînait sur le pont. Je les ai suivis le plus longtemps possible, jusqu'à l'Institut Adermir. Il est dirigé par une alchimiste, Hypatia. Peut-être que le duc a engagé l'un de ses patients, le tueur de la couronne. Adermir. Très bien. Je vais y faire un tour. Il faut éliminer le tueur de la couronne, et si l'alchimiste veut bien répondre à mes questions, je trouverai peut-être ce qui est arrivé à Sokolov. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, vu la chance que j'ai, Sokolov doit déjà être mort. Quand vous aurez terminé, neutralisez le Mirador. Une fois que c'est fait, j'arrive avec le bateau. On accoste avec la chaloupe quand vous voulez. Qu'est-ce que ce tableau fait ici ? C'est Delilah. Je vous dépose sur les quais. Allons voir les rues où mon père a grandi. En avant. Je dois éviter d'être reconnue. Je vous aurais bien emmené à Adermir, mais la sécurité a été renforcée. La Grande Garde a construit un mirador, passé par les terres et la station de transport. Avant de mourir, l'ancien duc de Cerconos a fait prospérer Karnaca pendant des décennies. Mais le duc Lucas Abel lui a succédé, et il a épuisé les richesses aussi vite qu'il le pouvait. Entre orgies et festins interminables. On sait s'amuser ici, est-ce que je vois? Pas comme à Dunwall. Faites très attention jusqu'à Adermir. Le duc a donné les pleins pouvoirs à la Grande Garde. Les étrangers sont abattus à vue. Je resterai discrète. Ici, ça devrait aller. Allez à Adermir. Éliminez le tueur de la couronne et trouvez où Sokolov est enfermé. L'alchimiste Hypatia. Elle vous aidera si elle le peut. Sokolov l'apprécie. On se retrouve à Adermir. Attendez que j'ai neutralisé le Mirador pour vous approcher avec le navire. C'est Adermir, là-bas, au loin.